Yo les gars, c'est Nsion, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo. Il est 3h du mat et la mise à jour Pianakoni 2.0, donc Instarail, vient de sortir. Je viens de m'acheter le pass de combat. On a des nouvelles icônes, plein de trucs sympathiques. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir et donc on va regarder tout ça ensemble. Hop. Alors, déjà, premièrement, on a pas mal de choses. On a cadeau du Stellarium qui reste 49 jours. Donc vous avez le temps pour récupérer. Vous avez 10 tickets. Donc c'est pas mal. La mission pionnière, les gars. Donc ça, c'est littéralement la quête principale. On a Journal du voyageur onirique. Ça, j'irai voir après la vidéo ce que c'est. C'est sûrement une quête. Là, on a des codes d'invitation. Donc n'hésitez pas à rentrer le mien. Je sais pas trop comment ça marche. Voilà. GEBYXF0CH. Je sais pas comment ça marche. Et c'est sur un site internet. Donc je ferai ça plus tard. Après, on a les essais de personnages que je ferai après. Pareil. Putain, Lunae, par contre, c'est incroyable. Mais je l'ai déjà E2. Là, on a des quêtes secondaires. Ok, mission de compagnon. On a aussi des weekly. Des weekly, pourquoi pas. Enfin, vous connaissez les tickets tous les jours. Et puis, on a la nouvelle Pure Fiction. Et on a Ore Machine qui est un peu éclaté. D'ailleurs, le pass de combat, j'ai même pas récupéré mes petites missions, moi. Hop, on récupère un peu tout ce qu'on peut. On a des missions, 10 gros titres dans le truc de journal. Et là, on a pas mal de trucs sympathiques. Ok. Et ben vous savez quoi? C'est parti. Let's go. On va aller invoquer. Ah, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses. Déjà, la petite single. Boum. Que dalle. Donc, nous, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer Black Swan. J'aimerais un maximum de Misha, parce que c'est un nouveau personnage. Minimum une seule fois. Plein de Gwynafen aussi. Je l'ai pas E6. Et Tingyun, je n'en veux pas, parce que je l'ai maximum. Lunae, je l'ai E2. Donc j'en veux pas du tout. Et puis les cônes, je pense qu'on invoquera sur le cône de Danheng. Parce que je kiffe ce personnage. Et puis surtout, il y a un nouveau cône de Misha. Voilà. Bon, et bien les gars, c'est parti. On y va directement. On regarde juste ensemble mon historique. Je suis en zéro garantie. Et donc, c'est parti. Let's go. Vous le savez, mes docteurs ratio étaient gratuits. Donc le dernier personnage à invoquer, et on l'a pas invoqué vu qu'il était gratuit. Et donc ça régale. Donc on a pu économiser pas mal. Vous avez vu, j'ai 11 000 jade stellaire. J'ai 30 tickets. Enfin, on est très très bien. Et donc c'est parti. On veut Misha pour commencer cette belle journée. Tingyun, super. Pas du tout ce que je voulais. Je pense que tout le monde serait très content de l'avoir. Mais moi, malheureusement, je l'ai déjà. Donc ça m'intéresse pas. Ok, on continue. Ah, c'est vrai qu'on peut pas réinvoquer directement. Il faut retourner sur le truc des invocations. Ok, donc on est à 20. On est à 20, on n'a pas de garantie. On va voir si on aura des petites early. On va voir si on va perdre notre 50-50. On va voir. On va voir. Mais normalement, Ratio nous a mis pas mal. Avec toutes les invocations qu'on a pu garder. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Oh là 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 là. Pénaconi, s'il te plaît. Nice! Voilà. Merci Pénaconi. La 2.0 doit bien commencer. Misha, let's go. D'ailleurs, je crois que c'est un homme. Beaucoup de personnes pensent que c'est une femme, mais je crois que c'est un homme. Ok, et bah Misha, nice. Pénaconi doit bien commencer, les gars. La 2.0 doit bien commencer. On va espérer gagner notre 50-50. Si jamais on le perd, on espère avoir un early derrière. Et puis, voilà quoi. Donc maintenant qu'on a eu Misha, je vous le dis clairement, les 4 étoiles, on n'a plus trop besoin de s'en préoccuper. Si jamais on peut avoir Misha ou alors Gwynafen, c'est parfait. Ou même des cônes aussi. Moi, vous le savez, j'aime beaucoup les cônes. Donc, il n'y a pas de problème. Et on va commencer à taper dans les jades stellaires. C'est parti. Ça va faire mal, ça va faire mal. On est à la 40e, je crois. 40e multi. Enfin, 4e multi. Aïe, 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 aïe. Du coup, les 4 stars, comme j'ai dit, vous me donnez des cônes, vous me donnez des orbes focus. Ou alors Misha et Gwynafen. En fait. On veut littéralement tout, 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 sauf Tingyun. Est-ce que c'est si durement demandé? Eh oui, malheureusement. Malheureusement, oui. Mec, c'est quoi ce drop rate de Tingyun, sérieusement? Sérieusement. Je m'en fous de Tingyun, moi, les gars. Je l'ai E6, elle est max, elle est pas mal. Je l'ai build. Il n'y a pas de souci, Tingyun. Je veux d'autres persos. Au moins, on a eu un Misha, parce que t'imagines. Wow, la galère. Bah ouais, frère. Bah ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave.
C'est pas grave, Tingyun, je t'en veux pas. T'es un bon personnage, c'est pas grave. Je t'ai E40. Y a pas de souci. Si on gagne notre 50-50, t'es pardonné. Ok, je crois qu'on est à 60 ou 70, les gars, là. Ça commence à piquer. Alors attendez, on est à combien? 60-70, ouais. Donc normalement, la prochaine, ça tombe. Bon, donne-moi Tingyun, s'il te plaît. Bon, quand je la demande, elle vient pas. Gwynafen, du coup, parfait. Donc, oui, oh, Gwynafen qui passe E4. D'ailleurs, je voulais pas préciser, elle était E3. La naissance du mois, très très bien. Double 4 stars, un cône en plus, comme j'adore. Et donc, normalement, là, ça devrait tomber. Je l'espère en tout cas. Et non. Donc, on a 70 alors, ça veut dire. Ah, ça pique de ouf. Vous vous rappelez, mais à chaque fois, je compte plutôt mal. Bon, qu'est-ce que j'espère de beau? Un petit Misha? Pourquoi pas? Ou Tingyun, hein? Tingyun, franchement, Tingyun, j'adorerais en avoir. Vraiment. Donnez-moi Tingyun, s'il vous plaît. Ah, vous voyez la strat ou pas? Ok, Gwynafen E5. Je vais peut-être pouvoir la jouer bientôt. Encore une constellation. Ok, bon, les gars. On n'a plus de Jade Stellaire. C'est la Hesse. En fait, Ratio m'a rien fait économiser. c'est parti. La multi-finale, je l'espère. Je l'espère vraiment, vraiment, vraiment. Pitié. Pitié, Black Swan. J'ai envie que la 2.2, la 2.0, pardon, commence bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur, les gars. Je sais même pas c'est quoi son. Ouais, Tingyun. Je sais même pas c'est quoi son symbole. Oh, Misha. Ça va, toi? Let's go! Putain, oh, let's go, let's go. Oh, je suis trop heureux. Let's go. Let's go. Par contre, le vent pour elle. Bon, je savais déjà que c'était vent son élément. Mais bon, je trouve que ça lui va pas tellement bien. Elle est toute violette comme ça. Oh, let's go. Ok. Très très bien. Et on sera avancé de 1, 2, 3. What the fuck? Merci Gwynafen. E6, 4, 5, 5. Parfait. Avancé de 5. Mec, c'est quoi cette multi? On a eu toute la bannière. Bon, les gars, je suis trop heureux. On a gagné notre 50-50. On a Gwynafen E6. C'est très bien. Ça termine les Eidolon. Et puis Misha E1. Pourquoi pas? Ok. Bon. On va directement sur la bannière de Dan Heng. On a évidemment 0 pool parce que j'ai invoqué uniquement le cône de Célé. Et donc, c'est parti. Ce qu'on veut, c'est le cône de Misha. Et pourquoi pas un early, on sait jamais. Même si ça m'étonnerait de ouf. Pour avoir le cône de Lunae, parce qu'il est quand même sympa. Et vu que je joue Lunae E2 quand même, c'est le seul 5 stars, à part les permas, que j'ai avec des Eidolons. Les limités, les 5 stars limités, je parle, les gars. Ok, allez. Le cône de Misha, par pitié. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, dommage. C'est pas grave, c'est pas grave. On ne s'arrête pas de danser. Bon, c'est la dernière multi, malheureusement. Donc bon. Soit un early 5 stars, soit Misha. Pas d'early 5 stars. Peut-être Misha? Peut-être Misha? S'il vous plaît? S'il vous plaît? Le cône de Misha? J'aimerais beaucoup. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour que la 2.0 commence bien. Allez. Maintenant. Allez, Misha. Ouais, je savais pas. Ah, purée. Ah, purée, purée. Ah, les deux autres cônes, malheureusement. Bon, bah, les gars, on va devoir s'arrêter là. Je suis à sec. Je suis à sec, je suis à sec. Est-ce que je mettrais de l'argent dans ce petit jeu? Non. Par contre, je peux peut-être. Ah, je les aurais bien gardés. Je les aurais bien gardés, mes poules. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez quoi? Je vous retrouve dans 5 secondes. Eh oui, les gars. Eh oui, eh oui, eh oui. Vous voyez bien ce que je vois aussi. Ok, normalement, j'ai calculé, les gars. Un pack à 100 balles, ça donne 8000 et donc ça donne 5 multis. Donc là, on a 5 multis plus les deux qu'on a faites juste avant. Ça fait exactement 7 multis et donc ça fait 70 poules. J'ai bien calculé. Et donc en 70 poules, on a peut-être le cône de Dan Heng. On verra. Franchement, j'espère. Avec un peu de chance, on peut l'avoir. Il y a peut-être manqué 5 poules. On verra ce qu'on fera.
parce que vous savez, la soft pity. Mais bref, en tout cas, pour l'instant, Dan Heng, c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est le cône de Misha, s'il vous plaît. Toujours pas. Le jeu, s'il te plaît. Je vais pas rigoler très longtemps. Moi, je viens de te mettre 100 balles quand même. Mais les gars, ça fait très longtemps que j'ai pas mis de l'argent dans ce jeu. Mais quand je vous dis très longtemps, vous imaginez même pas à quel point. Ça fait très 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 longtemps. Donc, ça mérite. Surtout que c'est à 2.0. On se fait plaisir. Le cône de Dan Heng. L'un des meilleurs personnages pour moi. Que j'ai E2. Donc, il mérite de se faire un petit peu respecter. Allez. Bon, Lucas, super. Je veux Misha, moi, je vous rappelle, hein. Quand même. Ça pique, ça pique. On a eu les deux cônes deux fois. Super. Hop, on continue. Allez, Misha, là. Te fais pas attendre, quand même. Du coup, pour avoir Dan Heng, en tout cas son cône, il nous faudrait une petite early. Je pense. Parce que 70 poules, c'est pas 75 poules. En tout cas. Ok, Asta, bon, je l'ai E6. On ne s'arrête pas de danser, bah c'est super. Mec, let's go! Oh, let's go! What the fuck? Let's go. Let's go! Nice! Putain, je commençais à avoir peur. Vous le savez, les 4 étoiles, c'est dur de grid. Wouah! Nice! Promesse indélébile. Je crois que les gars, c'est le tout premier cône 4 étoiles nouveau dans le jeu depuis très très longtemps. Sur une bannière en tout cas. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas rajouté un cône. Ok, je pourrais m'arrêter là. Mais on va continuer nos deux dernières multis pour le plaisir. C'est pas grave. Nice, ok. Nice. Un petit peu early, je crois. Un petit peu early, je crois. Du coup, il nous restera une multi pour l'avenir. Bon, là, j'espère qu'on gagne notre 75-25. Nice, let's go. Oh, let's go. My God, purée. Oh, c'est la meilleure vidéo de ma chaîne, mec. Gwynafen E6. Plein de cônes 4 stars dans tous les sens. Misha E1. Le cône de Misha. Le cône de Dan Heng. Black Swan 50-50 gagné. En plus, on est en early, je crois, de 10 poules. Même 20 poules parce que c'est le premier pool de la multi. Donc là, on sera avancé de 9, les gars. Putain, c'est incroyable. Oi, 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 c'est incroyable. Et voilà, j'allais le dire, je vous promets, j'allais le dire. Donnez-moi un cône de Misha et c'est encore mieux. Purée de pommes de terre. Oi, 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 oi. 7-2.2. Oh, 7-2.2. J'invoque jamais les cônes des personnages. Jamais, jamais. Mais Dan Heng, les gars, je le voulais vraiment. Oh, nice. Et surtout, ce qui m'a convaincu de l'invoquer, c'est le nouveau cône de Misha. Ok. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une masterclass. Je suis trop content. La 2.2, je vais bien profiter. Et puis là, je vais encore jouer pendant pas mal d'heures, moi. Mais cette vidéo s'arrête là pour l'instant. Les gars, ciao. N'oubliez pas de liker, vous abonner, code créateur, tout le tralala sur Epic Games, si vous avez le jeu sur Epic Games, NSQ. Et des commentaires pour le référencement. Ciao!